Pour le canal, nous la place des arts. Côté Mimanzoto, il y a Papa Kouedi, la fleur Nyonso et Kota na Corbière, Kota na la place des artistes, Bambate, Moulou, Moussous, Mouzali, Kouma. Bongo Pona Libota, Sima, Yalilita, Nabokundami, Libota, Biangi, Baninga, Baiba Deko, Sika, Babengi, place Kenaya, Nasi Pona. Je demande à tous les artistes comédiens, tous les gens qui sont sérieux. Quand c'est la gata, ma carrière, ma lamoureuse, ma tamoya, ta mouille, ma tamoya, 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 aujourd'hui, nous nous sommes arrivés et nous avons trouvé des gens qui ont fait un travail extraordinaire et qui continuent toujours à faire un bon travail. Et voilà, aujourd'hui, on vient d'expliquer, nous pouvons te dire que son âme repose en paix. Aujourd'hui, avec guerre et querelle entre les artistes et comédiens, est-ce que vous comptez vraiment faire des carrières comme celui de Papa Kouedi? Un vrai artiste, c'est l'esprit. Rosalia, 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 Rosalia,
Alléluia. Alléluia. Cet artiste de génie a été Wendy Maïpoudou. Infiniment merci. Vaut mieux que la vie comme la beauté. Le Premier ministre s'est fait accompagner des membres du gouvernement ici présents à ses obsèques. Nous avons deux drapeaux à ses côtés. Notre ministre Patrick Mouyaya Tatemboué. Le ministre de la Culture, Madame Catherine Fatou-Moufoura, et le ministre du Tourisme, Odéo Simba. Les trois membres accompagnent le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Loukodé-Dié. Nous invitons le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Mbaka Ngobila, qui se fait accompagner de son vice-gouverneur Gérard Moulumba pour le dépôt de gerbes de fleurs au nom des Quinoises et Quinois. Décédé à Kinshasa en date du 30 août dernier des suites d'une courte maladie. À ce jour, président de la CP, grande parole, n'était plus comme patron de la ville de Kinshasa, un véritable Quinois qui va s'adresser aux Quinois de suite de la dispersion de ce grand Quinois qui vient de nous quitter. Et ça se passe sur la télévision. Mesdames,
assurément. Je suis
fraction de la population souffrant de bonne humeur dans des ténèbres secrètes. L'artiste Kouedi a passé la plus grande partie de sa vie dans le domaine de la culture et des arts, particulièrement au théâtre et au cinéma. Enfin, convaincu de la condition nationale congolaise, sont-ils condamnés à ce sort dans leur pays? Massomo, Masasi, Alinga, Bolingo et les autres savent déjà ce qui attend leurs orphelins et leurs familles. Excellences, mesdames et messieurs, je veux terminer ce qui a arrêté le décès en cascade. Si cela ne dépendait que d'elle, de sa seule volonté, aujourd'hui, nous ne serions pas là en train de pleurer.